Yeah.
Père, qu'il soit la queue. Et hier, ils ont programmé le ZEC, même si aujourd'hui il a 13 ans, puisque les autres, à 9 ans, 10 ans, ils étaient déjà en 6e, mais lui, à 13 ans, je viens de lire Dieu ce matin pour cela. Je ne veux pas te changer. Alléluia. Oui, comme le dit avant. Rapidement, nous allons prendre encore la soeur. Soyons prêts dans le témoignage. Par la grâce de Dieu, bien aimé,
Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et elle va me dire, les jours qui suivaient, que lorsqu'on ne se répond pas, bien aimé, il y a l'enfer. Il y a réellement l'enfer, bien aimé. Et elle a eu cette grâce vraiment de pouvoir se sentir pendant qu'elle était encore, elle avait encore le souffle de vie. Donc nous ne sommes pas ici en train, bien aimé. Réalisons la raison pour laquelle nous sommes ici. Et je vais survoler. 2 mois plus tard, nous avons également, nous allons encore subi une situation. Nous allons, c'est la rentrée septembre, nous allons chercher un peu d'argent et mon époux va nous proposer en disant que nous allons prendre un crédit parce qu'on avait plusieurs enfants en France et au Maroc qu'il fallait payer et d'autres arrivés. Le crédit va se prendre, bien aimé. Nous allons effectuer les dépenses au Maroc, très bien. Au niveau de France, il va avoir un problème. On envoie l'argent. Mais les enfants vont être anarqués. Mais il faut dire que le Seigneur nous l'avait déjà rappelé, le Seigneur m'avait déjà rappelé tout cela, parce que j'expliquais à l'enfant même, et la fille a insisté, et en fait, je devais faire effectuer le placement d'une ville à une autre. Donc, je devais partir avant pour le temps. Et c'est comme ça qu'elle va procéder à effectuer un, comment dirais-je, elle devait chercher un logement. Et la personne, justement, va lui dire, mais c'est un certain nombre de choses. Elle va pourtant nous appeler. Je vais lui dire, maman, il y a longtemps que tu es en France. Vraiment, arrête la conversation avec ce monsieur-là. Parce que la personne ne peut pas te demander le numéro de ton compte. La personne ne peut pas te demander combien tu as dans ton compte. Ce n'est pas normal. Il faut d'abord que tu ailles visiter la maison. Elle va me dire oui. Mais malheureusement, le lendemain, elle va me dire, non, maman, en fait, la personne demandait tout simplement pour savoir si j'avais de l'argent, parce que plusieurs étudiants, ils viennent visiter la maison et après ils n'apprennent pas quand la maison est chère. J'ai dit, maman, ne réponds plus. Malheureusement, elle n'a pas compris. Elle va filmer le numéro. Et au lendemain, ils avaient rendez-vous. Quand elle se retrouve encore avec son petit frère, le jumeau, le monsieur n'est pas là. Elle va tenter à appeler et le jumeau est au reste. Il va dire qu'il a un petit souci. Et quand elle va pouvoir aller regarder le compte, tout a été enlevé. Bien aimé, c'était vraiment des millions. Tout a été pris. Et vraiment, c'était difficile, Seigneur. On vient de prendre un crédit, mais combien? Comment faire, Seigneur? Nous allons reprendre un autre crédit, nous allons le mettre en époux chez notre gestionnaire, parce que nous avons un compte commun. Nous allons encore prendre un autre crédit. Et je bénis Dieu. Ça va, on va tout payer. Mais seulement de nos jours, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais su qui a récupéré cet argent, malgré les renseignements en France. Nous connaissons le lieu, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas le chemin par lequel cet argent est parti. Au mois de novembre, au Maroc, nous allons être appelés par les plus grands en me disant que le quatrième de notre fils, Aval, ne va pas bien. Bien-aimé. Pas de repos. Comment l'enfant ne va pas bien? L'enfant ne va pas bien. On va appeler l'enfant, on va discuter, on va voir son image et tout. Et nous allons décider de pouvoir faire venir la femme. Bien-aimé, c'était compliqué. Lorsqu'on la met, parce qu'on va dire il y a 2 ans, je veux dire 2 ou 3 ans, j'étais au Maroc, il se sentait déjà pas bien, mais lui a fait grâce au travail de la prière de papa. Parce que j'étais allée, je lui ai expliqué ce qui se passait, et il m'avait dit non, maman, ne fais pas venir l'enfant, ça va aller. Et là, il était en licence, effectivement, tout s'est bien passé. Il allait en 4e année, en Master 1, en ingénierie à l'informatique. Et donc, quand il va maintenant en Master 2, comme je disais en novembre, c'était grave. L'enfant, ça ne va pas. L'enfant ne dort plus. L'enfant méconnaissable. On va faire venir la frappe. Il y en a témoigné de lui-même. Et quand on fait venir, le même jour, le lendemain, nous allons venir revoir le pasteur. Parce que les paroles qu'il avait proclamées, vraiment, je suis attachée à ces paroles. Je suis venue voir papa prier. Et comme d'habitude, il ne parle pas beaucoup. Il dit, mais tout dépend de toi, papa. Tout dépend de toi. Ça ira et il a prié. Au sorti de là, je ne sais pas. C'est comme si. Non. C'est comme si la prière est partie soulever tout ce qui sommeillait vraiment dans la vie de l'enfant. C'était grave. On ne dormait pas.
Et c'est comme ça que nous allons décider d'arrêter le jeûne de pain. Et lorsqu'on arrête le jeûne de pain, Dieu dit fait grâce. C'est comme ça que tout commence à rentrer vraiment dans l'ordre. Je veux dire quoi? Je veux dire, bien-aimés, les médecins ne guérissent pas, bien-aimés. Il a été bien suivi au Maroc, bien suivi par un psychiatre. Les scientifiques ont donné son nom, d'autres disent c'est la dépression, d'autres disent c'est la schizophrénie. Mais moi je l'appelle esprit de folie. Bien-aimés, les maladies, ce sont des esprits. Mais n'ayons pas honte de le dire. Ce sont des esprits, mais ils ont échoué au nom de Jésus. Amen. Et moi, j'avais mon fils ici, lorsque je l'amenais, nous étions ici dehors, souvent j'avais des disputes avec les gens de la sécurité. Je peux leur dire que je ne suis pas une belle. Lorsque je veux qu'ils soient à côté de moi, c'est parce qu'il est malade, mon frère. Et je sais pourquoi je veux qu'ils soient à côté de moi. Et ce jour, c'était le dernier but ici dehors. Le berger a prié, bien-aimé. Je retenais. Puissant Père, tu dis que tu es puissant pour ton peuple, la chose, au nom puissant de Jésus.
n'avons pas un dernier témoignage. Maman, tu es en train de prier. Ce matin, tu es venu rencontrer le Dieu de l'impossible.
c'est mon combat. Bouge ta tête, bouge tes pieds.
d'en juger. And then to judge. S'il faut le broter, allez le broter. If they can level, ou s'il faut le partager. Or they can share it. Chacun joue son rôle. Each one of them can play his own role. Le mien, for me, je l'ai matérialisé d'une part. I shall show you my way. Et je l'ai partagé d'autre part. And then I shall share the other way. Et ce matin, and this morning, je vais peut revenir en détail. I'm going to come back a little bit in the details. J'avais une préoccupation. I had a preoccupation. Ma préoccupation était au niveau de l'actualité. And my preoccupation was on the level of the actuality. Du moment. Of the right moments. Vous savez, depuis mars 2020, you know, since March 2020, j'avais déjà la certitude. I have a way, you know, qu'aucun des enfants. That no one child of God qui écoute sa parole, who's listening his words, qui la met en pratique, and then practice that word, ne sera entraîné par le coronavirus, will be led by the coronavirus. Ça, c'était ma parole. And that's what my words. C'est ce que j'ai reçu. And this is what I received. Mais d'autant que j'avais cette parole. Autant j'avais une préoccupation immense. And also I had a huge preoccupation. Sur ce qui se passe autour de nous. All of what is happening around everyone. Je me disais, mais Seigneur. I was saying to myself, Lord. J'ai une crainte. I had a fear. Et cette crainte a été accentuée. And the fear went high. Par des coups de fil. By some form. Qui me venaient de l'étranger. Come from the foreign country. Il y a des gens qui m'appellent. And there is people calling to me. Certainement parce que mon contact est sur WhatsApp. Maybe because my phone is on WhatsApp on the line. Pour me poser des questions que je n'avais pas de réponse exacte. And only to ask me some questions that I didn't have the right answer. Et parmi vous et d'autres personnes qui venaient me voir. And among you or other people come to see me. Ils me posaient la question de savoir. And they was asking the question to know. Quelle est la position à adopter? But what is the position I have to take? Face à l'actualité. Facing the actuality. Face à l'actualité. Facing the actuality. Une certaine pression. With some pressure. Est mise sur toutes les nations. It's now all over all nations. Au sujet de la vaccination. About the vaccination. Contre le COVID-19. Against the COVID-19. Et non seulement ce virus. And not only that virus. Change nous tous les jours. Mon cœur était troublé. My heart was troubled. Et j'ai dit non. And I said no. Je crois que cette fois-ci. I believe that this time. Il faut que je monte. I have to go up. Il faut que je rentre. I have to eat. Que je sois en face. I have to face. Devant la liberté. My true friends. Que je lui pose la question. I have to ask him some questions. Que je fouille dans la Bible. And I have to follow in the Bible. Pour avoir connu la télé. And to have our ability. Maman soit bénie. Maman be blessed. Tu te dis aveugle. You say you are blind. Mais tu vois. But you see. Ce matin, nous avons reçu la confirmation. And this morning, we receive the confirmation. Et mon ami m'a dit. And your friends told me. Que ton cœur. Que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Oh, bien-aimé. Oh, ma pilote. Que ta joie ne te quitte pas. Que ton cœur ne te quitte pas. Sois béni. Pimas. Parce que ces paroles. Because his words. Sont sorties. Just get out from his mouth. Que votre joie soit parfaite, bien-aimé. Qui n'ont ni père, ni berger, ni conducteur. Il ne faut pas les aider à pleurer. Ne les aider pas à avoir peur. Ne les aider pas à avoir les inquiétudes. Notre place n'a pas changé. Notre Dieu n'a
côté de toi. C'est tout ça qu'on est sur vous. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. Chapitre 21. And when I went to the Revelation 21,
1. Et nous allons nous arrêter au verset 12. And we're going to stop to the verse 11, 12. Je lis la parole de la révélation. I'm going to read the word of the revelation. De Dieu à partir du verset 9. Of God from the verse 9. Puis un des sept anges. And then one of the seven angels. Qui était le sept pour parler des sept derniers sceaux, des sept derniers fléaux. He was carrying seven of the top that carry the seven fléaux. Then il m'adressa la parole en disant. Came and then talked to me saying. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Come, I'm going to show to you the wife of the lamb. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Come, I'm going to show to you the wife of the lamb. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. And then he coming into the highest mountain in spirit. Et il me montra la ville sainte. And then he showed me the holy city. Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Jerusalem come from heaven next to God. Ayant la gloire de Dieu. Ah, the glory of God. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse. And then he shines one like a precious stone. D'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Of a shard like shining like a crystal. Elle avait une grande et une grande et haute muraille. He had a great hole. Elle avait 12 portes. He had 12 doors. Et sur les portes 12 anges. And then on the doors were 12 angels. Et le nom écrit. And the name written. C'est de ceux des 12 tribus des fils d'Israël. One of the 12 tribes of Israel. Alors en faisant la lecture de ce passage. And when I read and made the reading, j'ai compris qu'il était question. I just understand that you're talking about the wife of the lamb. Mais je ne comprenais pas très bien. But I couldn't understand very well. J'ai dit, mais Saint-Esprit. But I said, Holy Spirit. Ami véritable. True friends. Mais je sais que ce sont des choses qui vont arriver. I know that the things is going to happen. Pourquoi est-ce que tu m'amènes là-dedans? But why you bring me there inside? Et il me dit ceci. And here's what he told me. Il faut encore aller lire parce que tu ne comprends pas. You have to go and read again because you don't understand. Il est question de l'épouse. We're talking about the wife. L'épouse de l'agneau. Of the lamb. L'épouse de Jésus. Of Jesus Christ. Lis encore. Read again. Ephésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6. Au verset 8. To the verse 8. Et j'ai ouvert. And then I open again. Ephésiens chapitre 6. Ephesians chapter 6. Et j'ai lu le verset 8. And then I read the verse 8. Le verset 8 dit ceci. And here's what the verse 8 says. Sachant que chacun, as you know that each one, soit esclave, as a slave, soit libre, or free, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Will receive from the Lord what he did has good. Alors ce passage, and then that passage, a commencé à éclairer, begin to shine on me, à illuminer mon esprit. That's why I'm doing this, not name
Quand les gens s'avançaient, and when people was
I just moved from the line, de la rangée, from the line, dans laquelle je me trouvais, to who I was. Vous me trouvez, just to be, à la tête d'une autre rangée, to the head of another line. La rangée où je me trouvais, il y avait des gens devant moi. And the line where I was people passing au fur et à mesure de and there was passing in front of us. Et je me suis décalé. And then I just moved. Je ne sais pas comment. I don't know how. Mais je me suis vu devant une autre branche, in front of another line, avec une longue queue, with a huge tail. Je ne suis pas occupé de voir où ça s'arrêtait. I did not even take myself to see where this. J'étais capté, but I was captivé, captive, par ce que je voyais, by what I was seeing. Et celui qui était à ma hauteur, celui que j'ai donc cédé la place. And the one was my level, the one I gave the place. Je lui fais signe de la main. Alors je me suis dit dans mon cœur, and I said to my heart, que je pourrais passer après lui. Maybe I can pass after lui semblait pressé. But he was in a hurry. Je lui ai dit d'avancer. And I told him to move. Et lui, il me dit aussi d'avancer. And he asked him also to move. Il me dit, he told me, il est question du livre. We're talking about the book. Il m'a dit qu'il y a un livre. He said there is a book. Les noms sont dans les livres. And the name are written. Ah, ok. Donc il y a un livre. I said, what, there is a book. Il dit oui. Suffering of Christ, j'ai la chair, I finish à ma chair, my
sagesse, de wisdom, la foi de présenter, so that he can present à Dieu tout temps, tout God all the temps parfait, he can perfect, devenu pardon parfait, he can perfect, en Christ, to Christ. C'est à quoi is to you, je travaille, I'm working, en combattant, fighting, avec sa force, with his power, qui agit, that's behaved, justement en moi, powerfully in me. Verset 2, chapitre 2, verse 2, je veux, I want to, en effet, indeed, que vous sachiez, that you know, combien est grand, how much le combat, the fight que je soutiens, that I'm supporting pour vous, for you, et pour ceux qui sont à la Laodicée, for those who are on this, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, for those who didn't see my face, à la chair, in flesh, afin qu'ils aient, so that they can get, le cœur rempli de consolation, the heart filled up with goodness, qu'il soit dans la, qu'il soit uni dans la, la charité, and being united on the good things, et en plus d'une pleine intelligence, and then in whole intelligence, pour connaître, to know, le mystère de Dieu, the mystery of savoir Christ, to know Christ, mystère caché dans lequel, ministry to whom, sont cachés, uh-huh, tous les trésors, all the treasures, en de la science et de science. Que quelqu'un dise amen. Voilà comment Dieu, He is our God, par mon ami, by my friends, a mis la paix totale. Nous venons de lire, which is sweet, et j'ai repris au moins trois fois un verset. I repeat again three times. Afin que nous comprenions. So that we can understand. Il me dit, he told me, la vision que tu viens d'avoir, and the vision you just have, n'est tout autre que ce mystère. It's only this ministry. Un mystère, mystery, est tout ce qui dépasse l'entendement humain. Is everything that is over the thought of the man. Est quelque chose de mystérieux. Something mysterious. Ce que nous ne pouvons pas expliquer. That we cannot explain. Ce qui dépasse notre entendement. And that is over our thoughts. Vous voyez que quand nous avons lu, you see when we read, dans Apocalypse chapitre 21, the book of the Revelation, et j'ai envoyé les exemples de Dieu qui était avec moi hier au palais. The servant of God with me on marriage. Des trésors et soi. Of treasure and soi. L'une m'a dit, papa, il faut nous enseigner un peu, parce que cette affaire d'Apocalypse là. And one of them told me, you have to teach us, because this story of the Revelation, it's so hard to understand. Mais c'est un mystère. That it's a mystery. Personne ne peut expliquer un mystère. No one can explain the mystery. Si ce n'est le Saint-Esprit lui-même. Only the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit qui explique. Only the Holy Spirit can explain. Bien-aimés, l'ensemble que nous avons reçu de Dieu, the anointing we receive from God, ne nous permet pas. Don't allow. Ne nous autorise. Allez chercher les prophètes. Allez chercher les voyants. Allez chercher les théologiens. Pour nous expliquer. Just to explain. Le mystère. The mystery. Le mystère. The mystery. Est expliqué. I explain. Par l'ami véritable. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit qui est le Holy Spirit. Tout ce qui est mystérieux. That you are reading. The thing is that the one that works.
de l'église. That Christ is the chief of the church. Qui est son corps. Who is his body. Et donc il est le sauveur. And he's the savior. Or le même que l'église est soumise à Christ. Same thing, the church is soumise. Le femme aussi doit reconnaître la mère Marie. The wife also has to be soumise. En toutes choses. Everything. Marie. Husband. Aimez vos femmes. Love your wife. Comme Christ a aimé l'église. That Christ loved the church. Que je
trouver quelqu'un seul qui peut okay. ne fût que toucher Dieu. On y touche God. Sa parole dit. His word said. Jesus is inside your life.
Mais toi, Dieu, tu n'as pas encore fini. You didn't finish de combattre. To fight. Le peuple qui est avec toi, the people with you, doit combattre avec toi. Have to fight with you. Il faut que tu continues à travailler. You have to keep working. Et quand j'ai lu, and when I read, ce passage, the passage, que nous venons de lire, that we just read. Je vois que Paul dit, I see that Paul said, je travaille, I'm working. Je travaille durement, I'm working hard. Je combat, I'm fighting. Bien aimé le combat, my beloved, the fight. Ce n'est pas une partie de plaisir. It's not a part of pleasure. Quand on parle de combat, when you're talking about fighting, ça veut dire fournir une énergie. It means that you have to give some energy. Des efforts. Some strength. Ça veut dire aller contre une résistance. It means go against the resistance. Chercher à franchir la résistance. Search. Le combat ne veut pas dire. The fight doesn't mean que tu es là. That you're there. On te donne rien. They don't give anything to you. Jésus a dit. Jesus said. Le royaume des cieux. The kingdom of God. Appartient aux violents. Qui savent combattre. Nous devons combattre. We have to fight. Le combat que nous devons mener, yes, we have to bring, c'est de lutter contre ce qui nous empêche against what's so de garder la foi, to win face. De garder notre foi, to win our face. C'est combat. That's right. Il n'est pas seulement spirituel. It's not only spiritual. Il est aussi physique. It's also physical. Il est aussi matériel. Also matériel. Il est aussi financier. It's also financial. Financial. C'est un combat de toutes parts. Church. La nouvelle Jérusalem va s'établir.
de travail. God give you the work. Dieu t'a demandé de bénédiction. God give you the blessing. Le diable vient te mentir. He will lie to you. Ce qui est derrière ça. What is in the back of that? C'est pas le chiffre de la bête. It's not the number of the beast. Pour parler en français facile. To talk in easy English. Le chiffre de la bête. The number of the beast. Viendra. Come from. Après. After. L'église. The church. Nous serons d'abord enlevés. We will be taken first of all. Et pour que nous soyons enlevés. And to be taken. Nous serons précédés. We will come. De la résurrection. Before the resurrection. Tous ceux qui sont morts. And all the ones qu'on a éliminés. That we bury us. On va éliminer aujourd'hui. And we bury to it. Ceux qui sont morts. Those who are dead. En Christ. In Christ. Seront ressuscités. We will raise up. Quand nous les verrons ressuscités. When we see them raise up. J'ai vu. I saw. Ce que je vous dis. What I'm telling you. J'ai vu.
te le dire. Interroge-le. Il te répondra. Il dit n'importe quoi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. Ces choses que tu ne connais pas. Si je mens, il le dira. Si je ne mens pas, il me confirmera. Ce je suis. Ton fidèle serviteur. Ton maître serviteur. Je ne te mens pas. Je te dis la vérité. Crois-moi que ce qui veut t'entraîner, ce qui veut t'entraîner en dehors de la réussite, en dehors de la foi, est à ton pouvoir. La maladie est à ton pouvoir. La pauvreté est à ton pouvoir. Le chômage est à ton pouvoir. La victoire est à ton pouvoir. Le succès est à ton pouvoir. La bénédiction est à ton pouvoir. Dieu a tout accompli. Il t'a donné. Il t'a donné. La clé qui de la vie. La clé qui du ciel. Quand tu ouvres, le ciel s'ouvre. Quand tu fermes, le ciel se ferme. Tu peux ouvrir le ciel avec les bonnes choses. Dans ton ministère, par la foi. Tu peux fermer le ciel avec les mauvaises choses. Dans ton ministère. Par le manque de foi, tout s'est donné, tout est donné, mais c'est toujours là. Je suis cet homme, je suis cet homme, je ne marcherai jamais derrière le passé, frère et soeur, si c'est demandé, tout de payer la vie, tout payer la vie, tout payer. Vous voyez ça, je suis là, c'est ce qu'on dit même jusqu'au païen. And for me, je sais, I know,
de lui être. I'm trying to be there. To be faithful. Je ne pourrai jamais passer. I will never pass. Dans la maison des chrétiens. On the house of Christian. Pour demander la dîme. To ask for pay. Vous savez, j'ai fait pendant combien de temps? You know how many times? Sans toucher. I did. À la dîme. Without touch the pay. Des chrétiens. Of Christian. J'ai toujours eu la crainte. I always have the fear. De poser les actes. To ask, put some acts. Qui vont m'épargner. That will put the gloire de Dieu. And then we brought away the veritable glory of God. Dieu. Until God brought his servants. Pour me le dire. And to set the people. And publicly. Il m'a dit que ce que tu fais, tu crois que c'est bien. He said, what you are doing, you think it's cool. Tu es en train de maudire. You are casting the people de Dieu. The people of God. Sans le savoir. Without knowing. Parce que tu es le tuyau. Because you are alive. The blessing is passing. It's to fail. And if you are closing, la lumière qui fait tuyau, the light of that thing, they won't get it. Ne crains pas pour ta vie. Don't fear for your life. Mais crains l'éternel. Flee in the prayer. C'est depuis ce jour. It sits that day. Et j'ai dit. I said. Je vous l'ai dit. I'm telling you. Je ne suis de personne. Don't follow anyone. Je ne dirai à personne. I never said to anyone, don't pay your pay. No, my God. Dans les églises, on le fait. In the church, they do it. C'est là où ils n'ont pas les sous. This is where the difference. That announcement. Cette vérité. That truth. Que Jésus s'impose. That Jesus cannot be imposed. C'est par la foi. It's by faith. C'est la foi. Faith. C'est une ferme assurance. It's a deep assurance. Let the person say, je veux quitter la vie que je mets. I want to leave the life of God. I want to leave that suffering. I'm getting for life. Jesus. And thank Jesus Seigneur, as Lord and Savior. Bien-aimé, my beloved, anytime, anytime si tu es fait, you are trying to enseigner, you will get the preaching. Il s'est fait quelques jours. Are you seeing? J'ai vu des gens venir. I saw people come. Ils sont là à la salle. They are distressed. De faire les témoignages. And to gain the testimony. Then when everything is done, you took the key. Pour les ouvrir, tu as fermé. To open the doors. Quand tu fermes. And when you close, lorsque la cuisine, when to your kitchen, sous la douche, all your bread, tu fermes le robinet. You close the thing. Comment tu peux t'attendre à ce que tu baignes? How can you expect water to leave? L'eau ne va pas couler. Water. Ouvrez le robinet. Open your bread. L'eau va couler. And your water will come. And then we don't say so. And if you open, which you will receive a huge and you will be clean with God. You have to serve Him from your heart, from your power, from your thoughts. Oh, si tu ne te fais
si le travail se détruira, le bon temps est fou. Si le mets aujourd'hui, tu pousses le demain, et tout le monde verra tout ce qu'il a amené de toi. Il aussi, dans ce que tu as fait, c'est là. Je vois.
because of the tomorrow. Je te dis, I'm telling you, Dieu te dit, God is telling you, laisse le lendemain, laisse le over tomorrow. Occupe de lui-même, take care about himself. Occupe-toi de ta foi en Jésus. Take care about your faith in Jesus. Tu ne seras pas surpris. You won't be surprised. Tu ne seras pas déçu. You won't be deceived. Jésus dit ça. Jesus said, regarde, look, entre ces chaînes, I wash l'église, the church. Par ta foi, par faith, reçois